إن شاء الله يا ربي سنتواصل دائما معكم وفعاليات الصالون الدولي للكتاب في طبعته 18 في الأيام القادمة. نظمت شركة لوتيوس كونساي سهرة الخميس معرضا للفنانة التشكيلية ليندا بوغرارا والتي عرضت أبرز اللوحات الفنية التي طبعت مسيرتها، وقد حضر الجمهور إلى المعرض وحضرت النخبة من الفنانين الذين استحسنوا هذه المبادرة التي جمعت فنون عديدة. نسيمة غولي حضرت المعرض وجاءت لنا بهذا الفيديو. ليندا بوغرارا مسيرة ثرية لفنانة جزائرية تخطت حدود الوطن وعبرت محطات كثيرة، فحين لمست الريشة رفضت أن تتركها، فرسمت من المهجر وخطت طرق العودة لتحط مرة أخرى بالجزائر. Donc tout ça c'est vrai, c'est mes voilà, c'est les moments où je passe. Que je partage avec les gens et puis je reviens sur Alger, j'essaye de faire des choses. واحتضنت شركة لوتيوس كونساي لوحات الفنانة التشكيلية ليندا بوغرارا وتصميماتها التي أخذت الحاضرين عبر الذاكرة إلى أزمنة وعوالم الفن الجميل. L'idée c'est de faire entrer un peu d'art dans une entreprise. Je pense que c'était une bonne initiative parce que ça permet aussi à tous nos collaborateurs de se frotter à des artistes, ça nous permet également d'inviter nos amis, nos clients pour pouvoir assister et éventuellement aider cet artiste à promouvoir son art. Linda, je la connais, je la suis. Bon, on est collègues, quoi, donc on se suit un peu dans le travail. Mais en particulier, bon, elle a plus vécu là-bas qu'ici. Mais à chaque fois qu'elle nous ramène quelque chose, c'est très épicé. Elle épice beaucoup ses travaux. Et travailler des jeux comme ça, de grands formats comme ça, c'est vraiment très 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 spécial comme travail. Hein. C'est la première fois où j'ai assisté à un vernissage fait une agence de communication. Et je trouve que ça devrait se faire plus. Et voilà, je trouve que c'est naturel qu'un artiste vienne s'inspirer quelque part, parce que maintenant on vient chercher l'inspiration.